Je voulais vous remontrer, comme tout à l'heure, la magnifique photo de la tribune lilloise au Havre, qui est une des photos que vous ne verrez pas ce week-end. Le préfet a décidé d'annuler. Est-ce qu'il y a d'autres événements? Parce qu'aujourd'hui, bon, Il y a trois raisons principales. hein? Le préfet revient sur les événements qui ont lieu il y a 2 ans, la fameuse soirée des chaises au stade Bollaert, où, je le rappelle, on avait analysé ça à l'époque. Il y avait certes des exactions des deux côtés, mais il y avait un Bien sûr. envahissement de terrain. Il y avait aussi une absence totale d'aménagement du stade, avec notamment pas de blocage de De bâche. visuel entre les deux tribunes. Il n'y avait pas de barrière sur les tribunes de Lens qui ont permis l'envahissement du terrain par les supporters lensois. Donc il y avait certes une responsabilité des supporters des deux camps, il y avait aussi une responsabilité des organisateurs, que sont le club du RC Lens et le préfet du Pas-de-Calais. Les CRS, ils sont restés sur le parking en train de surveiller si les autobus partaient pas tout seuls à la mi-temps. Ils auraient dû être dans le stade ou sur la pelouse. Il faut rappeler les choses aussi telles qu'elles étaient. Deuxième point sur lequel s'appuie le ministre, c'est que nous avons. Il y a d'autres événements ce week-end-là, notamment les matchs de rugby au stade Pierre-Mauroy, qui fait qu'ils ne sont pas dans la capacité de garantir la sécurité d'un événement, d'un déplacement de 1 200 supporters lillois à 40 km de chez eux. Il faudra qu'on C'est sûr. m'explique aussi comment on va faire l'année Le prochaine candidat au quand il y titre. aura les Jeux Olympiques. On arrête Oui, tout pour non, 2 mois, là, c'est pas c'est ce que possible. j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. On est sur la contrainte des JO. On est quand même dans un état de psychose. Bon, on a vu l'organisation française. On ne parlait pas de la dernière, enfin, notamment au niveau du football, mais la dernière Ligue des Champions qui s'est jouée au Stade de France. On ne veut pas entrer dans la géopolitique, mais peut-être qu'à force de couper des moyens au public, on se retrouve avec des limites et des contraintes. Et comme tu le dis, il y a des échéances importantes, il y a des Jeux Olympiques qui arrivent. Au niveau organisation, c'est peanuts, hein, c'est pas grand-chose, les JO, j'imagine. Donc, ouais, sur absolu, je veux dire, 1 200. Surtout que l'année dernière, je ne sais pas, il me semble qu'au niveau du derby, ils avaient eu l'intelligence quand même de parquer un peu différemment les Lillois, ce qui fait que pour le coup, il y avait. Avec un stade aménagé, avec un peu de logique et un peu de Bien raisonnement, sûr, il est non, il y a. impossible d'avoir des incidents. Les Lillois sont complètement isolés pendant toute l'arrivée et tout le départ. Souvent, ils partent 1 heure après la fin du match. Les Lensois sont tous couchés depuis une demi-heure quand les bus partent. Et à l'intérieur du stade, c'est très facile d'isoler tout le monde. Donc le risque, je ne dis pas qu'il est à zéro, mais le risque, il est vraiment infinitésimal. Voyez un truc qui m'a choqué dans le communiqué du LOSC. Est-ce que vous voulez que je vous le remontre? Je ne sais pas si ça vous a échappé. Il y a quand même une info qui est Arrêté ministériel. intéressante. Arrêté Ouais, non, ça c'est ministériel. normal. C'est parce que l'acte, il faut en fait un arrêté préfectoral qui soit ensuite validé par un arrêté ministériel. Ça, on nous l'a expliqué la semaine dernière parce que ça fait quand même. Moi, je fais partie de la mailing list des supporters, des responsables de section. Ça fait quand même 3-4 semaines qu'on nous dit, attention, il y a un risque que le déplacement ne soit pas autorisé pour toutes les raisons que je viens de vous citer, entre guillemets. Alors, si ça fait 3-4 semaines que la probabilité existe, c'est quand même facile de dire mettre un arrêté tout de suite et on n'en parle plus. Ça évite aussi, parce que la contrainte pour les sections de supporters, c'est que, à force d'attendre, on ne sait plus organiser le déplacement si ça peut être autorisé. Mais c'est plus vicieux que ça. Relisons la première phrase de ce communiqué du LOSC. Voilà. Malgré l'absence à date de réception de l'arrêté ministériel. Ça vous parle, ça? Ça vous choque pas? Ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'instant T, au moment, il n'y a pas d'arrêté ministériel. C'est-à-dire qu'officiellement, le déplacement des supporters lillois n'est pas interdit. Il n'y a pas d'arrêté ministériel, il n'y a pas d'arrêté préfectoral, il n'y a pas d'arrêté. Le Ce qu'on disait plus. préfet qui communique sur cette interdiction depuis 1 semaine en prévenant le LOSC qu'il n'y aura pas de déplacement de supporters, il n'a pas pris Il de n'a pas mis décision. d'arrêter. Il n'a pas pris d'arrêté, il n'existe pas aujourd'hui. Alors Eh ben, pourquoi il n'existe pas? pourtant, c'est absurde parce que le préfet, j'ai bien compris, qui est en mesure d'amener l'arrêté, en gros, son tour aux autres. Donc, ouais, tu vas m'expliquer alors. Moi, j'ai deux explications. Ouais. Soit il n'assume pas, parce qu'il faut savoir que
depuis quelques mois. Il y a notamment une jurisprudence qui date d'il y a un an ou deux, suite à un match Nancy-Belfort où il y avait une interdiction des déplacements de supporters nancéens. Il y a une jurisprudence Conseil d'État qui a débouté le préfet local de son interdiction au motif que ça allait contre la liberté d'aller et venir, la liberté d'association, la liberté d'expression, la liberté de réunion, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de risques potentiels. Et à l'époque, ce match-là, il y avait eu un arrêté de prix, justement parce qu'un des motifs, c'était les absences ou les difficultés de monopoliser les forces de police. On est vraiment dans le cadre de ce qui se passe aujourd'hui. Alors, de deux choses l'une, soit le préfet, il n'a pas le courage de prendre son arrêté et il nous l'a fait à l'envers en essayant de mettre la pression. Ou alors, il est beaucoup plus vicieux que ça, parce que dans son communiqué, le LOSC dit qu'il est prêt à attaquer l'arrêté ministériel pour obtenir gain de cause. Comment voulez-vous que le LOSC attaque l'arrêté si l'arrêté n'existe pas ? Non, mais qu'est-ce qui peut interdire d'entrer au stade s'il n'y a pas d'arrêté ? Rien. Sauf que les supporters... Il faut qu'ils réservent des bus. Il faut qu'ils s'organisent. Donc, ils ne vont pas réserver des bus, payer les bus pour aller au stade si on va leur interdire de venir. Donc, en fait, c'est soit il est vicieux, il est machiavélique, soit il n'a pas de courage et il ne veut pas prendre de décision pour ne pas se faire débouter par un éventuel recours du LOSC. Pas plus là-dessus. Donc, voilà. Donc, moi, aujourd'hui, je pose la question et je vais faire un peu de provoque. Moi, je demande même la démission du préfet du Pas-de-Calais, parce que par respect pour nos voisins du Pas-de-Calais, qu'ils soient supporters de foot, supporters de Lens, supporters du LOSC, parce qu'on salue les dogs du Pas-de-Calais qui se sont créés récemment, qu'ils soient supporters, qu'ils soient organisateurs d'événementiels, parce qu'à ce rythme-là, avec le risque zéro, on va interdire tout et n'importe quoi, on ne pourra plus rien faire. Petit aparté quand même, parce que je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, toutes les ans, le parquage, c'est quand même le moindre mal, c'est la solution. Je me rappelle d'un souvenir un petit peu complexe qui avait été l'interdiction des Marseillais il y a 2 ans de se déplacer à Lille. Et qu'est-ce qui s'est passé? On en a retrouvé partout. Il n'y en avait pas dans le parquage, puisque le parquage était fermé, il y en avait partout. C'est-à-dire qu'il y a eu comme ça, un petit peu sur le stade, différents endroits, vous avez quelques supporters marseillais, et il y a eu quelques incidents. On va se retrouver, si ça se trouve, avec un préfet qui va dire jeudi ou vendredi, « Oh, ben, j'ai jamais interdit, finalement, c'est vous qui le dites, mais j'autorise, vous pouvez, tous les supporters lillois peuvent venir, mais il faut prendre des bus. » Et comment on fait pour organiser des bus en 2 jours? Enfin, il faudra qu'on m'explique la situation. Tu auras des arrivées sauvages en bagnole. On vient tous en voiture et ça va être le bordel, ça va être la chienlit. Après, il nous arrivait de rater des matchs, un arbitre peut être mauvais, rater des matchs. Là, on a un préfet qui est mauvais sur toutes les décisions qu'il prend depuis de nombreuses années. En plus, on a un club Lens qui a réussi une belle saison, qui ces derniers temps prend beaucoup d'importance dans la région. Je dis bien dans la région, pas simplement dans le Pas-de-Calais. On a un préfet qui, de toute façon, nous interdit les déplacements dès qu'il le peut, dès qu'il a une opportunité. Ça peut être la fatigue des forces de l'ordre, un match de Roumanie en Coupe du Monde de rugby, on s'en fout. Doucement. L'affiche du match, on s'en fout. Tu diras pas ça si la Roumanie est championne du monde. Il va systématiquement prendre une décision en faveur du Racing Club de Lens pour protéger le match à domicile de cette équipe. À un moment donné, on peut aussi se poser la question de l'honnêteté de ce personnage. Je suis désolé, mais à un moment donné, on peut aussi le dire. On va accueillir les Lensois à chaque match, on se fait interdire le déplacement. Dès qu'il le peut, il le fait. Et il nous empêche d'aller là-bas. Donc, ce club a réussi à avoir des financements de la région. Maintenant, on nous interdit le déplacement, ça va être quoi la prochaine fois? Donc, vraiment, on doit jouer à 10 au départ ou on peut inventer plein de choses aussi. Il peut nous inventer plein de trucs. Sportivement, ça nous met en défaut par rapport, ça donne un avantage, tu disais Christophe, par rapport au Lensois. Et puis surtout, c'est cette fameuse interdiction constitutionnelle de se déplacer, d'aller et venir, de une liberté d'expression, une liberté de réunion. C'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'État. Et le Conseil d'État, je n'ai pas fait beaucoup de droit constitutionnel, mais c'est très au-dessus du niveau d'un préfet de département. Christophe. Non, j'allais dire interdire d'aller à Lens, dans l'absolu, c'est pas grave. Là, ce qui est con, c'est sur le jour du match, quoi. Ça, c'est ça le plus embêtant. C'est ça.
Capenoul qui dit dans les commentaires, préfet, si tu nous lis, réponds-nous. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est au stade Bollard, il doit être invité par ses amis Lensois. Et s'il écoute ou s'il lit les, s'il écoute ou regarde les replays, il est bienvenu. On lui garde une place au show au bistrot d'Aïeulosque la semaine prochaine pour le débrief. On a des choses à lui dire.